Salut, bonjour. Je vérifie ma symétrie. Écoutez, je sais bien que, petit 1, on a plein de séries en cours. Petit 2, oh là là, je suis tombé sur une vidéo d'interview par Suspicious Observer de Robert Shore, le géologue spécialiste maintenant aussi d'archéologie interdite, à la suite de ses études sur le plateau de Gizeh, qui a prouvé quelque part que le sphinx datait d'environ 10 000 ans. Ce qui l'a rendu ridicule aux yeux de tous les académiciens, mais néanmoins, en attendant un petit peu, à la suite de la découverte de Göbekli Tepe, qui remonte encore antérieurement. Les académiciens, on ne les entend plus beaucoup. Non, ils ont sévi autrement maintenant. Ils censurent les vidéos qui disent le contraire de ce d'eux. Alors, dans un monde où les gens se spritch-spritch pour être protégés contre un truc qui ne les protège pas, alors qu'ils en sont à la troisième dose et qu'ils n'ont toujours pas capté, ben, que s'ils prennent un parapluie pour aller sous l'orage et puis qu'ils reviennent tout mouillés, c'est qu'il y a peut-être un trou dans le parapluie. Ou qu'ils ne sont pas dans l'orage, ils sont dans la piscine. Ouais, c'est aussi une solution. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas fondu dans l'eau, hein, d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo? Wow. Parce que Dagon Magus nous donne sa 11e, si on peut dire, leçon de rêve lucide. Partie 11, rêve lucide, leçon 3. Technique pour induire des rêves lucides efficaces. Ou bien peut-être technique efficace pour induire des rêves lucides. Alors, je continue cette série parce que, bon, c'est intéressant, mais je repose quelques points. Un, ça nous provient des boss de Metallic Man, alors qu'il travaillait pour le MJ-12, et qu'en fait, le MJ-12 n'est pas une institution qui a notre bonheur en vue. À l'époque, en tout cas, elle ne l'avait pas. Aujourd'hui, vu la situation, je doute qu'elle l'ait. Parce que, évidemment, que si je dispose d'un TR-3B, il n'y a pas une usine de fabrication de produits toxiques qui survit à peu près plus d'une demi-heure après que j'ai pris mon tour de garde à bord. Vous voyez, si les soutes sont pleines. Ah, je fais même un programme de téléportation immédiate au-dessus de tous les sites, hein. On pourrait faire des concours comme ça. Combien t'en as fait en 2 minutes? Ah, ben, attends. Ah, moi, j'en ai trouvé un. Il était à moins 300 mètres. Ben, celui-là, c'est mot compte double. Ah, j'en ai un. Il était même protégé par. Allez savoir. On avait bien parlé de navette Reptos au-dessus de San Diego qui diffusait des gaz au-dessus des habitations des gens qui étaient un peu plus éveillés que le reste du troupeau. Parce que c'est bourré de moutons aussi, hein, en américain. Il y a des hautes pointures, mais il y a aussi du grave. Il y a du super grave, super grave. Ce qui suit est la 11e partie d'une série d'articles en provenance de Dagon Magus, et donc quelque part un lecteur du site de Metallic Man qui a vécu des choses similaires et donc nous en fait part. Nous allons aborder dans cette leçon certaines techniques que SD, je pense que c'est sa femme, hein, la femme de Dagon Magus. Oh, c'est peut-être, je ne sais pas, Super Dagon, vous voyez.
Donc, sa femme et lui-même ont utilisé à de nombreuses reprises pour induire le rêve lucide avec succès. C'est des techniques entièrement personnelles qu'il n'a pas encore vu utiliser ailleurs. D'un autre côté, communiquait-il auparavant sur ces sujets-là? Et puis, on peut rappeler que le travail du rêve est quelque chose qui existe autant au Nouveau-Mexique que chez les Indiens Yaquis, chez qui Don Juan officiait, que dans les steppes de Mongolie, où les chamans, depuis la nuit des temps, pratiquent ça, que je suppose les montagnes tibétaines où les bouddhistes ont un yoga du rêve qu'ils peuvent pratiquer, que je crois que j'avais vu des choses similaires aussi chez les Esquimaux, où ils se mettent en famille, en tribu, et ils commencent à plasmodier des sons qui les mettent en transe à base de voix, hein, tout a cappella, hein, superbe. Enfin, spécial, hein, c'est très spécial, mais ça marche, a priori. Bon, ben, c'est mondial, hein. Donc, je pense que chaque coin a sa petite technique. Enfin, il y a de multiples occasions pour qu'il y ait de multiples possibilités, de multiples techniques, dans de multiples endroits. Donc, vous pouvez avoir pratiqué ça, ne vous inquiétez pas. C'est pas forcément une sorte d'ubiquité mentale, de liaison, d'accord. Bon, dans mon deuxième point d'attention, il y a le fait que le rêve lucide, tant que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas. C'est un rêve. Enfin, c'est un rêve. Vous êtes manipulable. Et donc, c'est un peu risqué. Il y a quand même des techniques, des philosophies, des yogas mentaux qui préconisent d'arrêter de rêver. D'ailleurs, Don Juan dit arrêtez de rêver. Gurdjieff aussi dit arrêtez de rêver. On peut dire presque qu'un rêve lucide complètement maîtrisé, c'est plus un rêve, c'est un voyage ailleurs, avec enfin, sous votre pleine libre arbitre, si on peut dire, ou volonté de choix de ce qui se passe, de ce que vous y faites. Contrairement au rêve lucide où vous vous faites prendre par les entités qui vous engluent ou hein, quoi, ou qu'est-ce. Alors, les méthodologies sont apparues entièrement par accident à travers des observations de son environnement, à la fois mental et physique, soit immédiatement en se réveillant d'un rêve lucide, en prenant note de certaines choses avant l'initiation, dont il se souviendrait ainsi par la suite. Certaines techniques sont particulièrement efficaces pour induire un rêve lucide, WI, je ne sais pas, même à partir d'un état d'esprit très fatigué. Ça semblait même mieux fonctionner à partir de cet état-là. Alors, avant de commencer, un petit mot sur les tricheurs. Oula, c'est vraiment écrit petit pour moi. Là. Et ce n'est pas traduit. Le cône représente une projection de la conscience en état lucide, éveillé. Après le point de transition, la conscience tombe dans un vide cylindrique et votre lucidity awareness éveil devient de la quatrième dimension. C'est-à-dire que vous pouvez voir dans toutes les directions de l'espace à la fois. En cas. Oui, il y a un truc dans le genre. Moi, j'étais arrivé à un niveau. D'ailleurs, ce n'était pas un rêve lucide, hein, pas vraiment. C'était plutôt une projection astrale. Et je ne voyais pas vraiment, mais j'entendais tout. J'entendais tout, partout, dans tous les sens. Je savais
où était le chien qui venait d'aboyer, à quelle distance, dans quelle direction, par rapport au reste, au clapotis des coqs sur le fleuve, enfin plein de choses. Les bruits des gens, à l'atelier, les ferronniers qui bossaient, enfin, toute une totale, quoi, comme ça. Et c'est le moment aussi où vous percevez l'idée comme quoi le temps, on n'en a pas la bonne notion. Le temps s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté puisque il y a l'aboiement du chien qui se déroule. Waouh, 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 waouh. Donc le temps, vous voyez, le temps n'est pas vraiment figé. Vous êtes là en train de réfléchir, donc il y a un temps qui passe quelque part. Enfin, une notion. Hein. Et donc, voilà, dans cet état-là aussi, hier, aujourd'hui, demain, c'est pas comme maintenant que je vous parle. Différemment des mondes physiques et astraux, les perceptions ne s'étendent pas à la 3D. Ne s'étendent pas jusqu'aux frontières de la 3D dans un vide, dans un espace vide, mais plutôt au sein d'archétypes sans forme et d'imagerie floue, trouvés aux frontières du subconscient de cet espace vide, qui doit être tenu durant ces créations oniriques, onirique de rêve. Une fois qu'une visualisation réussie a créé un domaine de rêve stable, un paysage, les frontières de la perception retournent à un horizon 3D que quelqu'un a produit dans son espace de rêve. La navigation dans ces mondes différents est ensuite réalisée en exigeant, en créant un portail et en projetant en avant, en s'y projetant en avant dedans, ou en s'y protège. Ou en s'y projetant en arrière, dans lequel cas le paysage de rêve disparaissant devient le portail par lequel vous êtes arrivé. Oui, c'est le moyen de ressortir aussi. Bon. Donc, vous avez un schéma là. Donc, il vous faut l'écran pour le voir. Pour ceux qui m'écoutent en conduisant, tant pis. Alors, le schéma, imaginez une sphère à l'intérieur duquel il y a un gros crayon dont la pointe vient sur un des bords de la sphère. Juste en face de la pointe, sort le cône dont on parlait au début de l'article, le cône de la conscience à éveiller. À propos des drogues et de l'alcool, de nombreuses personnes suggèrent que des substances telles que les drogues et l'alcool peuvent avoir un effet. Alors là, il nous remet ce même schéma, mais ce coup-ci en coupe, si on peut dire, verticale, avec le schéma de la conscience durant la lucidité. Et là, il nous parle de 2D. Est-ce que vous voulez que je traduise ça aussi? Parce qu'il y a plein d'annotations et je ne vais pas pouvoir vraiment être assez précis dans ma description auditive. On va voir s'il y en a besoin. Hein. Là, je le saute. Donc, elles peuvent avoir l'alcool et les drogues, je dirais même les alcools. Hein. Chaque alcool induit son propre type d'ivresse. Je pense que vous avez déjà remarqué ça et que ça vous permet de mieux gérer les déboires lors des soirées arrosées en sachant ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Enfin, ce qui convient moins bien. Hein? Soyons positifs. Donc, des effets négatifs sur sa capacité à rêver lucidement. Bien qu'il n'ait jamais testé plus dur que la marijuana,
Il ne se souvient pas spécifiquement d'avoir eu des expériences de rêve lucide sous fumette. Il est en général sceptique lorsqu'il s'agit d'utiliser des médicaments pour initier un rêve lucide. Parce qu'il pense qu'il déforme trop l'esprit pour qu'il soit possible de devenir lucide pendant un rêve. Il a eu des amis qui ont utilisé du LSD, de la DMT, mais lui le déconseille sincèrement. Encore, moi aussi d'ailleurs. Ben, c'est toutes des pratiques, il vaut mieux les faire sans accessoires, sans un instrument autre que ce dont vous disposez dans votre corps, dans votre cerveau, dans votre esprit. Vous ne serez jamais pris à dépourvu. Les gens qui veulent se protéger avec un matériel extérieur, ils ont toujours besoin d'avoir ce matériel. Le jour où ils n'ont pas le matériel, il leur manque cette confiance même en eux d'ailleurs. Et en plus, ils n'ont pas le matériel pour se protéger. Donc c'est un petit peu ballot. Pour trouver de l'eau, c'est pareil. C'est bien les baguettes, c'est bien le pendule, c'est bien plein de moyens. Mais le mieux, c'est encore le biochamp direct. Vous passez sur la veine d'eau et vous le sentez. C'est comme ça, vous n'avez pas besoin de pendule. Vous pouvez le faire les mains dans les poches. En vous promenant comme ça, mais vous savez que dessous il y a de l'eau, il y en a ta, ou autre chose. Bon, là j'ai intérêt à rouler une clope. Celle-là, ça va être du carton. Alors reprenons. Tout ce que cela semble avoir fait pour ces personnes, c'est leur donner un billet accéléré pour le service de santé mentale de leur hôpital local. Cependant, je soupçonne que la chose du rêve lucide ou de la projection astrale était vraiment plus une excuse pour justifier leur dépendance à ces substances. Alors, sans compter que vous pourriez tomber dépendant. Je ne sais pas si on devient dépendant du LSD ou de la DMT. Justement, on se sert de ça pour arrêter les dépendances des fois. Alors bon. Par contre, on est dépendant mentalement à la situation, à la possibilité de consommation. C'est presque pareil que d'avoir un instrument extérieur, physique, enfin, je veux dire un objet, non pas une substance. Et si l'on n'a pas suivi la préparation psychologique nécessaire, alors on s'expose à toutes sortes d'ennuis. C'est aussi son avis. L'alcool, c'est différent pour lui. Ah, tu m'étonnes. Je plaisante, je plaisante. Je me dis, il va pas se couper l'herbe, il va pas scier la branche sur laquelle il est, quoi. Il va pas se couper l'herbe sous le pied, ça sera pour une autre situation. Bon, je rigole, c'est qu'ils comprennent qu'il pourra. Hein. Alors, l'alcool, c'est différent pour lui. Bien qu'il n'ait jamais eu de rêve lucide sous son influence immédiate, il a eu de rêves, nombreux rêves lucides pendant la phase de récupération de la gueule de bois le lendemain. Le lendemain d'un excès majeur. Excusez-moi. Ben, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais j'ai des souvenirs. Il a en fait utilisé de l'alcool pour essayer délibérément d'induire un rêve lucide de cette manière. Bien que cela semble mieux fonctionner lorsqu'il n'a pas eu l'intention de le faire. Soyez avertis cependant, le niveau d'alcool nécessaire pour vous mettre dans un tel état de dissociation du corps pourrait être considéré comme mortel selon les normes de nombreuses personnes. C'est aussi pour cette raison que je ne le recommande pas vraiment comme moyen de faire. Cependant, si vous prévoyez de vous y adonner assez généreusement, je ne vois aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas essayer de rêver lucidement lorsque vous êtes allongé à moitié dans le coma dans votre lit avec une couverture de regret sur vous pour vous garder au chaud et tout en vous disant ah, plus jamais. Ah, après une sérieuse au whisky, mais alors là, ça date de chez ça date. Je pouvais plus sentir là, une bouteille de whisky à distance. À distance, j'avais déjà des oh là. Oh là. Plus jamais ça, non, non, non.
Oh là là. Bon, j'avais dit que je me roulais une clope, donc je vais tâcher de le faire quand même pendant ce temps-là. Pardon. Autant essayer de tirer quelque chose de l'annihilation des cellules du cerveau. Oui, en fait, vous entendez pétiller les neurones qui disparaissent, qui explosent. Bon, le cerveau est plastique, vous pouvez le récupérer, tout ça, hein. En meilleur état d'ailleurs, si ça se trouve, avec une meilleure organisation, tout ça. Ce n'est pas des choses auxquelles on pense couramment, mais moi je pense que ça doit être possible aussi. Tant qu'à faire. L'idée, c'est de vouloir reconstruire. La plupart des gens qui pratiquent ce genre d'activité quotidienne ou trop régulière n'ont aucune envie en fait, de développer leurs capacités. Hein? Ils oublient, ils en arrivent à oublier de boire, pourquoi ils buvaient pour oublier. Il a remarqué qu'il était carrément particulièrement facile de se brancher sur des bavardages non physiques, au lit, et encore sous le choc d'une gueule de bois particulièrement grave. Il n'est pas formé en psychologie, donc il va sauter ses opinions. Bavardage non physique. Il a quelques remarques à faire. Bien que ça ne soit pas forcément lié au rêve lucide, ça vaut la peine d'être expérimenté. Le plus notable est la façon dont la pression est appliquée sur la tête lorsqu'on est sur le point de s'endormir. Il a découvert qu'il existe une corrélation avec le fait qu'il soit allongé dans une position telle que la plupart des pressions de son oreiller appuient sur la partie supérieure et médiane à droite de sa tête et que ça lui provoque d'étranges visions. Un thème commun est ce qui semble être un film très vivant, réel, d'un dessin animé inconnu. C'est dans un style similaire au vieux dessin animé de Félix the Cat. Une caricature similaire a été mentionnée par des membres de la communauté occulte de rêves lucides et par sa femme aussi. Il a également remarqué que s'il s'endort en position couchée avec la tête sur son coude relevé, il y a alors un potentiel de bavardage audible qui n'est clairement pas lié à son propre train de pensée. Il semble y avoir une zone grise de conscience où ce bavardage est le plus extrême. Alors, encore, je ne sais pas, un jour, je vous avais parlé, j'avais réussi à entendre de la musique, un concert, mais c'était pendant un voyage en car, où je m'endormais. On est dans un état de transe du voyageur, si on peut dire. C'est juste une sorte de nonchalance, avec une facilité à arriver, à planer. Vous commencez à un panorama nostalgique sur les montagnes bleues des Vosges. Un quart d'heure après, vous dites, oups là, mais c'est l'heure, vous avez oublié, vous voyez. Vous n'êtes pas endormi, mais bon. Donc j'avais entendu de la musique. Est-ce que c'est donc dans le même cadre? À tester. Une méthode efficace pour attraper. Pour l'attraper, consiste à compter jusqu'à 5 minutes. Pendant 5 minutes, on va dire. Lorsque l'esprit est préoccupé de se concentrer sur le comptage, sur le compte, il est incroyablement facile de remarquer quand le bavardage apparaît, car il fait complètement dérailler le compte. Alors, quand vous comptez les moutons, c'est le moment où vous partez en alpha et puis. Vous vous rappelez plus à combien vous avez jusqu'à combien vous avez compté. L'intérêt, c'est de vous rappeler jusqu'à combien vous avez compté. Ben parce que l'état alpha, là, au lieu de lâcher l'affaire et la conscience et de tomber dans un rêve que vous ne contrôlez pas, en cas, il pleut et l'ennemi rentre. Bien sûr. Tout mouillé, évidemment. Bien sûr. Donc,
Ah ben, elle y compte, hein, que je la cherche. Je la cherche. Normalement. Bon. Vous passez de mes zones zonerie. Les émeritaires sont morts de peur. Qu'est-ce que c'est ça? Les émeritaires, je crois que c'est le nom qui donnait une race de gris. Je sais pas si je me rappelle bien. Ils sont morts de peur pour de nombreuses raisons qui ramènent à la race humaine. Le Japon n'a rien au bord de leur gouffre, s'il vous plaît. Soyez prudents. Ce sont des exemples de choses qu'il a entendues dans cette zone grise. Cela semble correspondre au bruit de la bande M mentionnée par Bruce Moon précédemment. Oui, la bande sonore dont il faut s'extraire. Parce qu'elle brouille. Donc en fait, ces phrases-là, les émeritaires sont morts de peur pour de nombreuses raisons qui ramènent à la race humaine. Où le Japon n'a rien au bord de son gouffre. Il entendait ça dans le flou. Genre, vous traversez une pièce avec des gens attablés, puis vous captez les conversations au fur et à mesure, sans queue ni tête finalement. Alors, au niveau du régime alimentaire et de l'exercice, on lui a demandé s'il y avait une corrélation. Et il ne peut pas dire qu'il ait vraiment remarqué quelque chose d'aussi bénéfique. Une corrélation favorable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de régime alimentaire que vous devriez essayer, d'autant plus qu'il n'a jamais pris la peine d'approfondir cet aspect. En cas, si vous lisez le petit Albert, parce que le grand Albert, c'est autre chose, je crois encore, me semble-t-il. Le petit Albert, c'est un alchimiste français, enfin bon, en fait, c'est l'arrière-grand-père, me semble-t-il. De l'ancien acolyte à Michel Simès, le Covid-2, très hideux. Et elle s'appelait Madame la docteure. Ah, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas très important, hein. D'autant plus vu les personnages et leur discours télévisé. Le personnage lui-même, je ne connais pas. Alors, dans ses bouquins, il disait, ben, c'est lui qui m'a confirmé que chaque alcool avait un effet différent. Et en fonction de l'activité, par exemple, que vous voulez adopter, si c'est une sieste, un yoga, une concentration sur tel sujet ou tel sujet ou tel sujet, vous allez absorber une toute petite quantité d'un alcool particulier qui va prédisposer à ce que votre fréquence cérébrale soit là où il faut, en fonction de votre travail à faire. Pareil pour l'alimentation. D'ailleurs, il signale à ceux qui ne sont pas végétariens que s'ils veulent constater à quel point est-ce que l'alimentation a de l'influence sur leur caractère, qu'ils arrêtent de manger de la viande pendant un mois et au bout d'un mois, ils se tapent un sandwich à la viande. Et ils regardent tout de suite dans quel état ils sont. Au bout d'un mois, vous êtes dans un état de placidité, ce n'est pas péjoratif, hein, de zénitude. Vous êtes moins excité. Vous êtes plus serein. Et vous le remarquez tout de suite. Vous faites pareil pour le café, quoi. Pendant un mois, vous arrêtez de prendre du café. Vous regardez votre matinée, à quel point est-ce qu'elle est différente, surtout au bout du mois. Et puis là, quand vous reprenez un café, tout de suite, vous sentez même la peau se tirer. Moi, je sentais la peau se tirer sur le visage. C'est intéressant. On reprend. Par tous les moyens, si vous trouvez quelqu'un qui suggère quelque chose d'un régime alimentaire spécifique pour induire un rêve lucide, alors essayez et donnez-nous-en des nouvelles.
Il a eu de nombreux rêves lucides lorsqu'il s'entraînait régulièrement dans le but d'être suffisamment en forme pour rejoindre les forces de défense. En même temps, il mangeait assez sainement. Il est donc difficile de dire si son niveau accru de conscience lucide de l'état de rêve était dû à l'exercice, au régime ou aux deux. Ben oui, évidemment, aux deux. Cela aurait pu être le résultat de l'emplacement, pour autant qu'il sache. Alors, est-ce qu'il a bien dit emplacement en anglais? Il a bien dit ça et je comprends ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il est dans un site sacré? Parce que si vous parlez rêve lucide avec Dan Winter, il va vous dire que les meilleurs rêves lucides qu'il ait fait avec sa femme, c'était à Prague, qui est une ville construite, enfin la vieille ville construite en forme de rose fractale, et ancien fief des alchimistes d'une période, autour de laquelle tournaient des expériences avec la Black Goo, issue possiblement du cube de la Kaaba. Il faut voir pour ça Vincent Bridges. J'ai cherché son nom il y a bien longtemps à propos de son travail sur John Dee. Élisabeth Ière, le contact avec les macrobes, le langage énochien, la totale, quoi. Passionnant, passionnant. Et ardu, costaud, costaud aussi. Et donc, dans ce cas-là, voilà, ça induit. Je pense qu'effectivement, de la même manière, dans votre chambre à coucher, déjà, ne pas dormir sur un croisement téléphérique négatif va améliorer les choses. Évidemment que je subodore que chacun des arguments, chacune des conditions est à prendre en compte de façon à multiplier les possibilités de réussite. Alors, lui, il n'a pas de certitude à cet égard, moi j'en ai. Enfin, j'en ai. Certitude, c'est un grand mot. Mais je pense que oui, sérieusement, en ayant d'autres sources disant la même chose. Et puis, la logique. La logique. On est dans un point de négentropie qui vous apporte un surplus d'énergie dont vous pouvez disposer pour faire des choses. En général, quand c'est une maison qui est située dans ces conditions-là, ne serait-ce que vivre en vieillissant moins que si vous viviez hors de ce cadre-là. Et il y a aussi là-dessus une nouvelle, enfin une ancienne vidéo, une renouvelle d'une interview entre Dan Winter et un pote architecte à lui, Davis, je crois qu'il s'appelle, Davis en français, qui construit des baraques le plus adaptées possible à la négentropie, à la production négentropique, enfin à la négentropie, point. Alors, il peut pas donner, il n'est pas sûr de ça, mais ce qu'il sait, c'est que lorsqu'il a changé de régime alimentaire et d'exercice, ses rêves lucides ont perdu, y ont perdu, globalement. Bon, il espère que plus tard, lorsque ses enfants seront plus âgés, il aura la possibilité de se réadonner à tout ça. Il est curieux de voir si ces incursions dans la lucidité commencent à devenir plus fortes avec un mode de vie plus sain. Je suppose que oui, hein, pour de multiples raisons, quoi. Ce qu'il a remarqué avec ces deux expériences, avec deux expériences de rêve lucide puissantes qui se sont déroulées à quelques nuits d'intervalle, c'est qu'il avait absorbé un plat de poulet épicé suivi d'une dose de sucre. Bon, ben alors, un poulet tandoori, sauce aigre douce. Il ne semblait pas y avoir de corrélation entre la santé et avec ses aliments. L'un était un curry thaï maigre avec une portion de gâteau pour le dessert. L'autre était un McDo chaud et épicé standard suivi d'une boisson sucrée typique de ce genre d'alimentation. Je soupçonne que cela a à voir avec le changement chimique de la teneur en piment, en sucre, qui est enregistré via le subconscient pendant l'état de rêve. Il suggère d'explorer davantage cette avenue et d'expérimenter, si on est assez testeur, joueur. Moi, je dirais, si vous avez lu le petit bouquin de Corinne Gouget à propos des conservateurs et autres édulcorants,
vous comprenez que ces produits chimiques sont d'une haute toxicité et provoquent des orages magnétiques, enfin des perturbations dans le fonctionnement normal d'un cerveau, qui sont assurément loin de prédisposer à une harmonisation des rythmes cérébraux ou une cohérence cardiaque aisée. Hein? C'est la raison pour laquelle en fait, les enfants pètent des plombs en classe juste après la récréation, où ils ont absorbé toutes ces saloperies de bonbons à moitié OGM, à moitié plein de chimie et à moitié en plus porteurs d'ADN provenant de fœtus avortés humains. Ami cannibale, si vous avez la dalle. Placement de la pensée. Il y a de nombreuses techniques impliquent l'utilisation de contrôle de la réalité pour aider à stimuler l'esprit de sous-conscience et le pousser à devenir lucide. Celle-ci consiste essentiellement à une série de contrôles que vous effectuez chaque jour lorsque vous êtes éveillé et qui, espérons-le, se prolongent dans le domaine du rêve et vous permettent de réaliser que vous êtes lucide. Si vous vous demandez comment ça se fait, je ne sais pas vraiment comment ça se fait. Ça doit rentrer dans une sorte de programmation subconsciente. Mais lorsque vous commencez à adopter, pour tester, hein, ou par pratique, un rythme respiratoire différent, on va dire plus lent et plus ample, plus conscient en même temps, au début, vous remarquez que souvent, vous perdez le fil de la pratique. Et puis, un beau jour, vous remarquez, bon, si vous y remettez à chaque fois, hein, un beau jour, vous remarquez que, bah, tiens, vous étiez en train de le pratiquer en ayant oublié de le faire, mais vous le pratiquiez. Et là, vous dites, ah tiens, cool, pas mal. Donc, je peux très bien imaginer, là, faire une corrélation entre ce que je viens de vous raconter et ce dont il parle. Ben, finalement, c'est presque comme un réflexe, devient acquis. Et donc, vous n'avez plus besoin d'y penser pour le pratiquer. Alors, suis-je éveillé? Suis-je endormi? C'est les questions dans le genre. C'est une question que vous vous posez qui vous permet de réaliser que vous êtes lucide. Bon, là, il fait référence à son exemple. Il avait rêvé un truc, il était en train de jeter sa guitare basse dans la piscine, chose qu'il n'aurait jamais faite normalement, et ça avait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me prend? Ah, mais je rêve. Et paf, ça avait déclenché la prise de conscience qu'il était en train de rêver, et il avait maintenu la lucidité par la suite. Dans le film Inception, Leonardo DiCaprio utilise une toupie comme test de réalité. Il fait tourner la toupie, et s'il est éveillé, elle finit par ralentir et tomber, en raison du manque de force centrifuge. Oui, en raison de la perte d'énergie cinétique due au frottement. Et si ça se trouve, dû aussi au frottement électromagnétique entre le champ magnétique qu'elle émet et le champ magnétique terrestre. Si elle ne va pas dans le même sens, ça se trouve, ça freine un peu plus. Si elle ne va pas dans le même sens, de quoi je parle? Eh bien, je parle du fait qu'il y a constamment des fils, des courants électromagnétiques comme ça, qui sortent de la Terre et qui vont vers le Soleil. Et que chacun d'entre eux est, à mon avis, me semble-t-il bien, l'équivalent de cannelloni électrique, en poupée gigogne les uns dans les autres, emballés les uns dans les autres, et dont chacun tourne en sens inverse de celui d'après. Donc, vous avez peut-être moyen de trouver un endroit où ce mouvement-là, rotatoire, stimule ou ralentit la toupie. Enfin bon, je parle dans des histoires, moi. Revenons. Et s'il rêve toujours, ben c'est que la toupie, enfin, il voit ça parce que la toupie continue de tourner. Il recommande de regarder ce film. Oui, moi aussi. Ah ben encore, quelqu'un m'a demandé des listes de films et bon, ben, je ne me suis jamais trop gêné pour les citer en général. Je peux continuer.
Il y a des fois où je dois dire qu'il y a des bons passages, ils sont très courts par rapport à la longueur de daube qu'il faut se farcir, hein, ou aux erreurs flagrantes, ou enfin, il faut être bon public des fois, mais il y a des indices assez souvent, évidemment. Plus ou moins bon, hein, il y a des fois où vraiment le film, je commence à vitesse 1,6 et je finis à 3, vitesse 3, point. Oh, c'est trop nul, quoi. C'est vraiment insupportable, nul, mal joué, lourd. Enfin bon, ça dépend. Moi, j'ai bien aimé, quoi qu'on puisse en dire dernièrement, Jupiter Ascending, ça reste une des pointures, hein, quelque part. Y a pas une scène qui n'ait pas un rapport avec ce dont on traite sur ma chaîne, quoi, hein, quelque part. C'est hallucinant. Et puis, quoi d'autre? Inception. Dark Crystal, non, c'est pas Dark Crystal, c'est Dark World ou Dark City. Dark City, c'est bien aussi comme idée. Je vous le dirai au fur et à mesure. Ah, j'ai eu le plaisir de me faire toute la série des Foundation, tirée du bouquin d'Asimov, hein, d'Isaac Asimov, me semble-t-il bien, il me semblait bien. Et j'ai eu le plaisir parce que pourquoi? Des fois, très souvent, les bouquins sont mieux à lire qu'à voir en film. C'est la deuxième. Parce que l'imagination que vous êtes faite au fil de la lecture était plus fournie, plus sympa, plus à votre goût que celle qu'un réalisateur lambda vous impose, tout en sachant aujourd'hui qu'en plus, dans son imposition, il y a des règles qu'il s'est fixées de façon à induire ce qu'il veut psychologiquement induire, hein, dont tout le subliminal aussi, les références occultes, malsaines ou quoi que ce soit, hein, ou saines, mais bon, ils sont plus rares, ces films-là. Ah, je me suis perdu, mais je n'avais pas fini mon encart. Oui, Fondation Isaac Asimov. Eh bien parce que quand j'avais commencé à le lire, je devais avoir 17 ans, c'était la semaine dernière, donc. ans, oh là là, c'est le matin, j'ai 15 ans, donc c'est dans 15 jours. Bon, on peut, hein, le temps, vous savez, hier, aujourd'hui, demain, dans ces rêves-là. C'était insupportable, toute cette description. De la stricte de cet orgueil, de cette vanité, de ce mépris au régime, comment il l'appelle? Aux Altesse, quoi. Je ne me rappelle plus en plus. C'est fou ça, je l'ai vu hier. Je ne me rappelle plus comment il l'appelle. Ça me gonfle à chaque fois qu'il y a toutes ces marques de déférence hypocrites, mais obligatoires, sinon vous crevez, quoi. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui que l'autorité indue m'horripile. C'est pas d'aujourd'hui, je veux le dire. Et donc là, dans le film, finalement, ça reste lourd, mais comme c'est une facilité, le film, par rapport à la lecture, je n'étais pas obligé de me forcer à décrypter l'écriture pour lire les choses qui m'énervent en plus. Là, dans le film, ça passe mieux, puis vous pouvez vous focaliser sur autre chose comme sujet, vous avez le décor visuel. Voilà. Donc, je me suis tapé la série, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai bien aimé l'état d'esprit de vagabondage planétaire. Cette idée-là, ça me dit quelque chose. Vous avez une nostalgie du pays, de la Terre d'origine, hein, de la planète d'origine, et néanmoins, vous prenez le métro et vous allez ailleurs dans la ville, voyez? Vous avez la nostalgie de votre petit chez vous, mais néanmoins, tous les jours, vous prenez le métro et vous allez ailleurs en passant par des quartiers ripoux, des situations ripoux et tout ce que vous voulez. Voilà quoi. Le premier jour, c'est gonflant, vous êtes perdu, hein, mais bon, au bout de quelques temps, ça y est quoi. Vous voyez le parallèle que je fais entre le fait d'habiter toujours au même endroit ou d'être obligé de se déplacer pour vivre. Bon, voilà. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, écoutez,
y a des rebondissements assez courants, assez fréquents. Ils m'ont rarement surpris par les surprises de scénario, vous voyez, les trucs. Ah, oh, bah tiens, je n'avais pas vu venir, genre. Là, ils m'ont. Enfin, comment dire? J'ai été. Voilà, c'était nouveau. Je n'ai pas. La majorité des films policiers, vous les regardez, au bout de 20 minutes, vous connaissez le coupable, le mobile, vous connaissez tout, vous savez, surtout à la télé, hein. Donc, ça, c'est une bonne raison aussi pour laquelle j'ai arrêté de regarder ces conneries. C'est trop facile, c'est vexant qu'on vous propose ça pour vous amuser, quoi. Je veux dire, on en espère un peu plus de l'imagination des réalisateurs en général. Quand vous tombez sur de la daube, voilà quoi, vous êtes déçu. Donc j'ai bien aimé. Je vais vous trouver ça sur la chaîne At OVNI sur Odyssée. OVNI au pluriel. Il me semble. Dans le film Inception, la femme de DiCaprio finit par se suicider parce qu'elle pense qu'elle rêve toujours et doit se réveiller malgré le fait que DiCaprio insiste sur le fait qu'elle est déjà réveillée et de retour dans la réalité physique. Ah, je n'avais pas compris ça, moi. Je pensais qu'elle était névrosée profondément. D'ailleurs, l'actrice, là, elle m'a niflé. Oui, c'est la situation qui est grinçante dans ses rêves où il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Ou dans les rêves ou dans les couples aussi, des fois. C'est tellement dommage que ça ne se passe pas bien parce que. Ah, vous voyez, bon, on est un peu idéaliste, hein, toujours. Une autre chose qu'Inception dépeint assez bien est la profondeur des rêves dans lesquels on peut se plonger et la façon dont le temps est déformé dans ces autres mondes de rêve. Lorsque vous devenez bon en rêve lucide, il est facile de se laisser emporter, de commencer à approfondir de plus en plus un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Vous devez apprendre à utiliser vos protections pour savoir comment vous remettre correctement d'un tel labyrinthe. Cela peut sembler un peu idiot, mais croyez-le. Il a été piégé dans la lucidité pendant des années pour se réveiller et découvrir qu'une seule nuit s'est écoulée. Cela peut vraiment vous foutre en l'air si vous n'y êtes pas préparé. Une autre chose dont il faut être conscient, est qu'il peut être assez déprimant de visiter un rêve lucide utopique uniquement pour devoir se réveiller de ce monde physique au retour. Attendez-vous à une période de réajustement d'au moins quelques jours. Bon, déjà, les gens qui font la projection astrale, en général, quand ils reviennent dans leur corps, ils trouvent qu'il est étroit, trop petit, humide, froid, enfin bon, comme que vous êtes obligé de remettre des fringues mouillées après être tombé à l'eau, vous voyez. Placement de la pensée pour les rêves lucides délibérément induits, je ne sais pas. Je sais pas. Pas grave. Grâce à ces observations, il a découvert qu'il existe une période de corrélation pendant laquelle les pensées peuvent être utilisées pour stimuler la sous-conscience dans l'état de rêve. Cela s'est produit en faisant des rêves avec des éléments qu'il pouvait identifier à un moment très précis. Avoir eu une référence à ça dans la journée précédente. Il semble qu'environ 10 à 10h30 et une demi-heure avant d'aller dormir, à 10h30 du soir et une demi-heure avant d'aller dormir, pas seulement d'aller au lit, soient des moments privilégiés pour inculquer des réflexions sur les tests de réalité et les rêves lucides. Alors, je ne sais pas s'il parle de l'heure du soir à 10h30 ou s'il parle, ben là, il est midi. Il est midi et que si je fais un exercice maintenant, c'est en prévision de me coucher justement dans 10h ou 10h30. Et juste une demi-heure avant aussi, je vais remettre une couche de sujet, justement, de préoccupation, calme, hein, préoccupation d'intérêt, on va dire plutôt, d'intérêt amusé d'ailleurs. Oh. Ah tiens, ce rêve lucide là, est-ce que je vais pouvoir l'induire? Voilà, tels éléments, tic-tac-tac. Vous placez vos petites photos, toi là-bas, au coin. Allez, oh, on vous connaît. Hein.
arrêtez de découper les photos dans les magazines. Oh, quand même. Bien sûr, ça signifie qu'avoir un horaire de coucher strict et comprendre combien de temps il vous faut réellement pour vous endormir une fois au lit, c'est admis, quoi. Vous maîtrisez ça. La couverture de rêve. Il a écrit un livre. Ah, il a lu un livre écrit par un Amérindien qui parle de chamanisme et de shape-shifting, de changement de forme. La pratique chamanique du shape-shifting. Et c'est l'art du changement de forme par Ted Andrews. The Art of Shape-shifting par Ted Andrews. Il s'agit essentiellement d'utiliser des danses qui imitent certains animaux et des talismans spéciaux à des fins de vision à distance et de rêve lucide. Bien qu'il ne soit jamais entré dans les danses, l'un des talismans qu'il a trouvé curieux était une couverture de tissu dont vous drapiez à chaque fois que vous essayez de faire un rêve lucide conscient. Vous faites une pratique magique, vous adoptez le même habit, la même cape, les mêmes ustensiles. Vous faites du rêve lucide, vous êtes, si possible, chez vous, dans les mêmes couleurs de pyjama, dans les mêmes couleurs de drap, le même environnement. Et qu'en plus, vous avez choisi de façon à ce qu'il soit plutôt adapté. Tout en sachant que dans l'astral, les couleurs sont complémentaires, hein, je dirais. Elles ne sont pas inversées, ça ne veut rien dire. L'inverse du blanc, c'est toutes les autres couleurs, quoi, en fait. L'inverse du rouge, ce n'est pas le vert, c'est toutes les autres couleurs. Enfin, c'est difficile à dire, mais par contre, le complémentaire, ça, c'est autre chose. Il me semble bien qu'elles sont complémentaires. De la même manière, et drôle de manière, les chiffres sont écrits à l'envers, en symétrique, vous voyez, à la Léonard de Vinci, peut-être. Ah, ah. Je ne sais pas. Peut-être, j'ai dit. Mais je me rappelle que Blavatsky disait que les dates qu'elle repérait, elle était obligée de les symétriser pour les avoir dans le bon sens. Et c'est eux aussi qui parlaient des couleurs. Reprenons. La théorie de l'auteur est que chaque fois que vous avez un rêve lucide, vous imprégnez inconsciemment cette couverture d'énergie de rêve, ce qui facilite éventuellement le rêve lucide, car vous vous connectez à cette énergie lorsque vous vous endormez. La couverture de rêve est considérée comme si sacrée par lui qu'il suggère de l'enfermer dans un coffre spécial et de ne pas la laisser entrer en contact avec d'autres artefacts de peur qu'elle ne soit entachée par leur énergie. Ni vous la montrez à personne, ni personne ne la touche. C'est presque comme pareil avec les cristaux et avec tout le matériel magique aussi d'ailleurs. Et pareil avec votre livre de bord. Et voilà, il faut garder un jardin secret a priori. Et donc, cette couverture ne doit être utilisée que pour le rêve lucide. Il a essayé d'utiliser un morceau de tissu de soie coûteux à cette fin, mais il n'était pas clair s'il avait un effet profond. En disant cela, il a remarqué qu'il faut un certain temps pour créer un élan de rêve lucide si les couvertures sont changées par rapport à celles qu'il a utilisées pendant d'autres périodes. Le lin de couleur violet et bleu semble fonctionner le mieux. Bien, bon renseignement. Merci, Degen Magus. Le lin de couleur, donc un drap de lin, violet et bleu, peut-être indigo, je ne sais pas, semble fonctionner le mieux. Au niveau des oreillers, est-ce que vous avez fini par acheter un de ces oreillers de forme triangulaire? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. Certains oreillers ordinaires sont assez gonflés avec un bon rapport entre la densité et le volume, enfin, et le moelleux. Évitez ceux au travers de laquelle votre tête passe, dans lesquels vous enfoncez complètement. La raison pour laquelle les oreillers triangulaires sont bons, c'est qu'ils s'enroulent autour de la totalité de votre cou et donnent à votre tête le soutien dont elle aura besoin
pour entreprendre la principale technique d'induction de rêve lucide, la pose du pendu. Vous pouvez vous en passer, mais j'ai constaté, il a constaté de son côté, que son cou se fatiguait rapidement sans cette base de soutien des oreillers. Si vous utilisez des oreillers rectangulaires standards, leur disposition sera cruciale pour savoir si la technique fonctionne ou pas. Et cela peut prendre pas mal d'ajustements pour arriver à quelque chose de bien. J'espère que nous aurons pratiqué l'immobilité de la méditation corporelle, car on en aura besoin pour la prochaine partie. Au niveau des techniques, alors la pose du pendu. Alors, il a commencé à remarquer avec l'expérience des points communs entre le moment où il avait eu un rêve lucide et l'arrangement de son corps au réveil. Instant pendant lequel il ne faut absolument pas bouger d'ailleurs. Vous réveillez, vous ne bougez pas. Vous réveillez, vous ne bougez pas et vous réinduisez un rêve lucide très facilement. Mais si vous bougez, vous relancez plein de mécanismes et de lancements d'hormones dans le sang qui vous sortent de ce beaucoup plus de cet état de conscience à basse fréquence cérébrale. Le plus notable de ces points était une pause particulière dans laquelle il se retrouvait habituellement, mais pas toujours, au réveil. Alors, il a commencé à s'endormir à partir de cette pause. Alors, il avait pris quelques minutes après s'être réveillé pour l'étudier en profondeur sans bouger, puis d'essayer de la recréer chaque fois qu'il allait se coucher pour essayer d'initier un rêve lucide, ben, en plus avec l'intention. Alors, le plus souvent, ça fonctionnait à la fois. Alors, pour les rêves lucides, là, je pense que ce sont ceux qui sont délibérés et ceux qui sont par hasard. LD et WILD. Je ne sais pas à quel moment il en a parlé auparavant, mais I, c'est pour induced, et le D, c'est le D et le W. Je ne sais pas, mais bon, c'est les deux situations. Soit il est induit volontairement, soit il ne l'est pas. Ouais. En fait, certains des rêves lucides les plus vifs qu'il a eus proviennent de l'utilisation de cette position, à partir de cette position, l'utilisation de la position. Il l'a expliqué à sa femme, elle a fait pareil et ça marchait aussi bien pour elle. En ce qui le concerne, c'est même le truc, le secret pour initier un rêve lucide. La position est assez facile à prendre. La difficulté, cependant, vient en essayant de rester dedans sans bouger. C'est pourquoi la pratique de l'immobilité du corps est cruciale pour la maîtriser. Et c'est pourquoi la disposition des oreillers est cruciale pour son utilisation correcte. 5 minutes après avoir pris cette pause, il vous garantit que chaque « on pousse » de votre être vous dira de vous déplacer dans une position plus confortable, car c'est une position incroyablement inconfortable. Ce n'est pas comme si vous alliez faire du yoga ou quoi que ce soit. C'est plus que vous allez étirer certains muscles et passer votre poids de votre corps à laquelle vous n'êtes pas habitué. Vous devez simplement l'aspirer et vous y allonger. Vous devez simplement vous y induire et vous y faire si vous voulez qu'il fonctionne correctement. Il ne faut surtout pas se gratter le bout du nez ou quoi que ce soit qui démange. Et il y a assurément toujours quelque chose qui va commencer à vous déranger. À vous demander si vous avez des bêtes dans le lit des fois. Ou une mouche qui vient de vous chier sur la paupière ou sur la joue. Ou à ce moment-là, une puce dans la barbe. C'est ce qui n'arrive jamais, je vous rassure. Non, ça n'arrive jamais. Ça peut arriver peut-être, ouais. Mais en fait, une puce, ça va choisir un coin où il y a moins de poils, tant qu'à faire. Chez nous. Ou une personne qui est moins poilue. Inside joke.
Ah donc, espérons qu'après quelques semaines, vous commencerez automatiquement à adopter cette position pendant que vous dormez, puis sans difficulté. Alors, comment entrer dans la pose? Hein, oui, on va en parler finalement. Alors, si on l'appelle la pose du pendu, c'est parce qu'elle est similaire au pendu dans le jeu de tarot. Ah, je ne le crois pas. Encore plus tard. Traditionnellement, cette carte représente un homme suspendu à l'envers, les bras le long du corps et la jambe pliée à un angle tel qu'elle touche le genou de la jambe opposée. En fait, vous avez le talon dans le creux du genou et la voûte plantaire sur le mollet. C'est une position intuitive, je dirais. D'ailleurs, c'est même gonflant quand vous l'aimez bien, puis que vous voyez que c'est utilisé par les francs-maçons, machin et tout. Vous dites, oh, ils nous ont encore sali ça. Ben, l'idée, c'est qu'en fait, ils servent tous les trucs, parce qu'eux aussi, ils développent tout ça, hein, normalement. Hein. Vous n'arrivez pas à la situation de grand maître franc-maçon noir, patin couffin, tel qu'on en parle dans le Bucegui, là, ou autre, avec des capacités de psionique accrues et imposantes, sans rien fiche. Vous travaillez, vous faites du développement personnel à donf, mais avec des méthodes particulières, quoi. Comme quoi, une fois de plus, c'est un instrument, tout dépend de l'intention. Bien que il ait utilisé cette pose exacte, il préfère la modifier légèrement. Plutôt que de plier la jambe à un angle 90 degrés, placez simplement le talon de votre pied droit au-dessus de votre pied gauche lorsque vous êtes allongé. Si vous trouvez ça trop inconfortable, vous pouvez le modifier pour que vos pieds soient côte à côte. Encore, j'avais lu quelque part qu'il fallait éviter de dormir avec les jambes croisées. Dans la mesure du possible. La chose cruciale, cependant, est que les deux jambes doivent se toucher, ou les pieds doivent se toucher. Les bras peuvent soit se détendre à vos côtés, soit être placés sur votre sternum, une position qui semble la mieux fonctionner. À l'égyptienne, vous savez, ben, il y a encore aussi la position avec les bras en croix sur la poitrine. Est censé vous protéger de certaines entités. Vous êtes en. Voilà, c'est le bloc est construit, bunker énergétique. Et les pharaons étaient aussi installés comme ça, vous voyez, avec les deux attributs pharaoniques aux significations aussi diverses que variées et intéressantes. Oui, parce qu'il y a la version publique et puis la version privée, hein, des significations. Comme d'habitude. En gardant le dos à plat contre le matelas, vous devez ensuite pencher la tête vers la droite pour que votre oreille droite soit complètement recouverte par l'oreiller. Vous tombez dans l'aquatique, là, vous savez. Essayez de créer un seau autour de toute votre oreille afin qu'aucun air ne puisse s'échapper. Encore une fois, un seau, donc une poche étanche. Étanche, ce n'est pas le mot. Enfin, bon, vous m'avez compris. Vous l'avez compris. Encore une fois, il a trouvé qu'un oreiller triangulaire rend cela plus facile à réaliser. Il ne sait pas pourquoi ça fonctionne si bien. Il soupçonne que ça a quelque chose à voir avec le déséquilibre de l'oreille interne. Ou quelque chose à voir avec la réorientation du flux d'énergie à travers le corps qui est capté pendant le rêve. Une chose qu'il sait avec certitude cependant, c'est qu'il obtient des résultats à condition de pouvoir continuer. Alors, petit encas, ben, quelque part, je subodore qu'il y a plein de choses là, en fait, à prendre en compte, et notamment les circuits de chi. Les circuits d'acupuncture et les tensions de fascia qui orientent ces circuits. Hein. C'est pour ça que le Qigong, en bougeant le corps, vous mettez sous tension comme différentes cordes dans votre automate, le volontomate, le volontotomate. Et donc là, il y a des circuits d'énergie qui se créent ou ne se créent pas, et certains d'entre eux prédisposent à une forme électromagnétique globale
qui entraînent certains mouvements alentours, comme des ondes de forme, ou je ne sais pas. Enfin, c'est imagé, hein, là, je suis dans un exemple, hein, mais j'essaie de comprendre. Et l'autre, elle se casse la gueule, là. Mais alors. Ah, là, là, là. Comment vous voulez qu'elle fasse ses photocopies dans de telles conditions? Scénario du match de tennis. Cela vous transportera consciemment d'un état d'éveil à la transition vers un état de rêve et vers l'espace vide si cela est fait correctement, quel que soit votre niveau de fatigue. En fait, la plupart des rêves lucides volontaires, on va dire, qu'il a eu provenaient de l'utilisation de cette technique ou d'une légère variante. Considérez cela comme un code de triche pour entrer dans l'espace vide. Oh, c'est pas un triche. On va pas s'accabler. C'est pas une triche. On sait comment faire. On sait comment faire. Quand vous êtes petit, que vous apprenez à faire vos lacets, vous galérez. Après, vous savez, vous vous rappelez le truc. Hop, ça se fait tout de suite. C'est pas une triche. Vous le savez. Vous recommencez pas à chaque fois à réfléchir à comment faire un nœud, quoi. Enfin bon. Pas le sujet. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, vous devez comprendre la façon dont la conscience s'effondre vers la glande pinéale lorsque vous entrez dans l'état de rêve. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est quelque part l'intérieur vers lequel on doit plonger, chercher la lumière. Je dis quelque part parce que une fois qu'on a mis la conscience à cet endroit-là, en général, il faut la déplacer vers le cœur. Mais c'est peut-être un exercice particulier, ça. Il s'agit d'une inversion complète de la conscience que vous utilisez lorsque vous vous engagez dans la réalité physique, lorsque vous êtes éveillé. Si vous réussissez avec cette technique, vous ferez l'expérience de cette inversion. Cela fonctionne particulièrement bien lorsque vous êtes fatigué au point de risquer de vous endormir quelques minutes après que votre tête ait touché l'oreiller. C'est pour ça qu'il l'apprécie. Il l'a beaucoup utilisé lorsqu'il travaillait à plein temps en tant qu'assembleur dans une usine d'électronique. Il revenait complètement épuisé et ça marchait toujours. Donc, si ça ressemble à votre style de vie, essayez. Vous commencez par visualiser un match de tennis entre vous et un adversaire. Un adversaire, un partenaire. Vous savez que les Anglaises apprécient le tennis en pension. Bon. Ouais, il y a des histoires de filets et des filets là-dedans aussi. Oui. Cela doit être une vue à la première personne de votre part, donc vous avez la caméra dans votre tête. Vous devez visualiser cela comme si vous étiez réellement là, en train de jouer au tennis, avec le filet devant vous et la raquette à la main. La raquette, on a dit, tu retournes au coin, toi, là-bas. Cela ne peut pas être un point de vue extérieur. Imaginez que c'est au tour de votre adversaire de servir. Donc, si ça ne peut pas être un point de vue à la troisième personne, par exemple, malgré le fait que la double attention ne soit pas vraiment une troisième personne, vous pouvez à ce moment-là difficilement maintenir la double attention à la Gurdjieff, hein, c'est-à-dire vous êtes conscient là. Je vous parle, donc je suis conscient, mais je suis aussi conscient que je vous parle. Je suis conscient que j'arrête pas de ricaner comme un idiot. Donc je vais aller au coin me faire un petit café. Ah, j'ai amené une pompe à bière aussi, hein, puisque quelqu'un a amené un hamac. Allons-y, les gars. Tous les moyens s'en vont. Je recrute. Je déconne, je déconne. Et donc, imaginez que c'est au tour de votre partenaire de servir, d'être au service, hein, vous savez, d'engager le jeu. Il trouve plus facile de visualiser les services lents qui s'accélèrent progressivement, mais si vous êtes trop fatigué, passez directement au service rapide. Vous avez besoin d'environ 5 secondes de visualisation ininterrompue et vivante de votre adversaire fracassant la balle aussi fort que possible. Boum! Je le ferais bien de mieux, mais avec mon épaule, je m'en passe. Hein. Voilà.
Le tennis, là, je peux attaquer les services directement en revers, là. Et encore, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, j'ai l'impression que ça ne le ferait pas non plus. Mais 5 secondes de visualisation, voilà, allez-y. Alors, vous pouvez prendre un joueur de tennis que vous aimiez bien, ou une joueuse. Et vous la voyez claquer la balle au sol, lancer le bras en arrière qui va remonter en recourbant la raquette dans le dos avant de la tourner, de la monter à la verticale. Instant où, dans son mouvement circulaire, elle vient frapper la balle qui redescend ou qui monte. Ça dépend. Et vous l'envoie en pleine face, hein, à ce moment-là. Enfin, en pleine face, plus ou moins. Répétez la visualisation avec la balle volant au-dessus de votre tête. Wow. 15-0. Répétez la visualisation, donc voilà. Après le quatrième ou cinquième coup, faites en sorte que la balle frappe bien au milieu de votre nez. Ça, c'est vraiment ça, quoi. 30-0, donc ça suffit. Donc, on va dire partenaire, mais bon. Avec un peu de chance dans votre état de fatigue, votre esprit continuera automatiquement à rejouer le scénario et finira par croire qu'il est réel. Le but est de le faire réagir avec une montée d'adrénaline lorsque la balle frappe votre nez, pensant qu'il y a une possibilité très réelle que vous la preniez et que vous ayez le nez cassé. Cette montée d'adrénaline, a-t-il trouvé, est juste assez pour vous réveiller dans une compréhension consciente que vous êtes presque endormi. Dans le même temps, votre conscience se verrouille sur la balle et est projetée vers la glande pinéale de la même manière qu'elle s'effondre dans l'état de rêve. Ah, voilà pourquoi. Eh oui, parce que là, bang, c'est direct la pinéale. Le point de votre focalisation de conscience est le point où votre conscience est. Votre énergie est là où se concentre votre pensée. En fait. Donc, bien sûr que si je fais de la double attention à la Gurdjieff, je partage un peu cette énergie constamment. Mais du coup, quelque part, est-ce qu'elle n'alimente pas une sorte de bulle de conscience protectrice? Raison pour laquelle aussi il est plus aisé de se rendre compte à quel moment nos idées ne sont pas les nôtres dans cet état-là. Et parce que c'est comme quand si elle passait dans votre esprit, elle avait passé une petite paroi en faisant un petit bruit, quoi, du style ah, ben attends, c'est quoi cette idée? C'était pas à moi, je n'étais pas en train de penser à ça, je faisais autre chose. D'où ça me vient? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un alentour? Hop, vu au champ. Je te vois. Reprenons. Alors, parce que l'adrénaline vous a rendu lucide, vous êtes consciemment témoin de cette transition avant que l'adrénaline ne disparaisse. Voilà, elle se transforme en adrénochrome, elle s'oxyde et elle disparaît. La vitesse à laquelle la conscience entre dans cette transition est ce qu'il appelle la vitesse de la conscience. D'après ses expériences, cette vitesse peut se situer n'importe où entre la vitesse d'une balle de tennis correctement servie et celle d'une balle, je pense, de revolver. Il suggère d'expérimenter différents scénarios impliquant des vitesses différentes pour voir si vous pouvez voir quelque chose qui fonctionne le mieux pour vous. Une variante de cette technique qu'il a trouvé fonctionner bien, en imaginant un satellite en orbite rapide près d'une planète que vous faites tourner hors de sa trajectoire et qui vient vous frapper. Dans son cas, c'était un dodécaèdre tournant autour d'un tétraèdre. Les deux sont fortement liés à la philosophie occulte. Ce sont en plus des solides platoniques.
Alors oui, en cas. Si vous commencez à manipuler les tétraèdres, donc les pyramides à quatre faces au total, hein, y compris la base. Hein. Trois côtés et une base triangulaire elle-même, d'ailleurs, hein, pour une fois. Si vous manipulez ça, créez-vous une Merkaba et partez en projection astrale directe aussi. Parce que là, au niveau de la visualisation, il y a le chat qui vient d'imaginer qu'il y avait une souris qui lui arrivait en pleine gueule. Il a eu une décharge d'adrénaline. Et ça y est, elle repart en rêve lucide. Plein de télécopieuses. La vitesse de la conscience est l'espace vide. La vitesse à laquelle votre conscience s'inverse et retombe à travers la glande pinéale dictera à quelle profondeur on tombe dans l'espace vide. Il a mentionné dans la leçon précédente que des distorsions entreront en jeu et que ces distorsions dicteront le succès de votre rêve lucide. Avec une vitesse de conscience élevée, on risque de pénétrer trop profondément dans l'espace vide où les distorsions sont les plus extrêmes. Le match de tennis et la visualisation du satellite en orbite semblent inculquer à la conscience une vitesse qui lui permet d'atteindre un niveau moins profond de l'espace vide. Venant de la paralysie du sommeil, d'autre part, les distorsions peuvent être n'importe où, de très légères à extrêmes. Ces distorsions ne dureront que dans l'espace vide, mais elles ont le potentiel de détruire complètement le rêve lucide. La raison en est qu'il faut une quantité incroyable de volonté de visualisation pour pouvoir créer un rêve. Toute l'attention doit être tournée à ce but. Si l'esprit est occupé à utiliser ses ressources de visualisation en essayant de neutraliser ses distorsions, alors une visualisation appropriée du paysage onirique ne peut pas avoir lieu. Malheureusement, il n'a aucun remède lorsque ces distorsions sont à leur maximum. Ah, en quart, on pourrait essayer d'en trouver un. Ah, ben justement, dans Foundation, ainsi que dans d'autres films, dans Dune, par exemple, les guerriers ou les notables sont porteurs d'un champ de force protectrice, protecteur, qui ralentit la pénétration de l'objet étranger. Voilà. Donc en imaginant ce toi. Donc ça le ralentit, ça n'arrête pas le mouvement, mais ça le ralentit énormément. Bon, dans le cas de Foundation, s'il veut, il met plein pot et au contraire, là, ça bouffe. Aïe, ça booste à l'extérieur. Vous voyez, même en revers, je suis nul là. Il a rarement réussi à franchir cette étape quand les distorsions sont au maximum. Et les fois où il l'a fait, ces paysages de rêve ont été un gâchis aléatoire de données corrompues. Alors, autre chose comme idée, accompagner ce mouvement d'un son de métronome qu'on va ralentir. Toc, toc, toc. Avec, voilà, un accompagnement dans le changement de tonalité du son du métronome. Hein, on pourrait, voilà, enfin, chacun sa manière d'épicer la chose, mais. Ah, déjà. C'est le petit marchand. À tout de suite. Bien, ben voilà, il est 13h23, je reprends le cours. Après avoir appris que le cours de la farine de blé augmente, ainsi que le prix du papicu ou du sopalin, qui me permettent de rappeler qu'on a trouvé des fibres style Borgelon dans ces papiers qui entrent en contact avec nos muqueuses, porteurs donc de nanotechnologie qui traversent les muqueuses aussi facilement et encore plus facilement que la peau. Alors que nous sommes le 23 novembre 2021.
Alors, si on reprend maintenant, ici et maintenant, dans le rêve lucide, qui a été fortement distordu, il a rarement réussi à franchir cette étape de haute distorsion. Et quand il l'a fait, donc, ces paysages de rêve ont été un gâchis aléatoire de données corrompues. Même les paysages oniriques les plus élémentaires deviennent impossibles à visualiser et les mouvements à l'intérieur deviennent encore plus difficiles. Ne vous découragez pas si ces distorsions ruinent votre rêve lucide. Ça lui est arrivé plus de fois qu'il ne peut les compter. La persévérance est le seul chemin à suivre. Création du rêve à partir de l'espace vide. Les rêves créés à partir de l'espace vide ne sont pas des rêves standards, ce ne sont pas non plus des rêves lucides typiques. Lorsque cela est fait correctement, on peut montrer un contrôle presque total sur ce qui apparaît dans le paysage onirique. On peut l'utiliser pour explorer les mondes non physiques. De nombreux experts suggèrent qu'il s'agit d'une projection astrale, d'autres prétendront que le rêve lucide ne peut pas être utilisé pour un tel voyage, ou que c'est vraiment juste un tour de l'esprit et que vous ne voyagez pas vraiment. Ces expériences personnelles suggèrent différemment pour les deux hypothèses. Pour créer un paysage de rêve, un paysage onirique, donc, dans cette mesure, vous devez prendre le contrôle des distorsions avant que l'intention de créer le rêve n'apparaisse, même pendant que vous êtes dans l'espace vide. La raison en est que pour créer un paysage de rêve approprié, il faut énormément de volonté et de concentration consciente. Vous travaillez sur tous les détails du décor, quoi. Et visuel et autres, assurément. Si la majorité de cette concentration est consacrée à traiter les distorsions après la création du rêve, votre rêve ne sera pas stable et s'effondrera, vous réveillant dans le processus. C'est le moment où vous tombez dans la piscine dans Inception. Ou c'est le moment où explose le décor dans lequel vous êtes. Vous êtes tranquille à la terrasse d'un café avec votre ami en train de profiter du soleil. Et soudain, tout commence à exploser dans tous les sens et apparaissent les brigades de la bave. Vous n'en contrôlez vos passes. Oui, non, c'est un encart qui n'a rien à voir dans cette vidéo. Je suis bien désolé. Ainsi que le précédent à propos des prix, mais bon. Je me suis rappelé qu'il y a des gens qui apprécient quand on date les vidéos, ce que je conçois. En tout cas, je mets la date de mise en ligne. En général, elle est précise. Sous la vidéo. Bon, reprenons. Les pratiques de visualisation solides pour contrer les distorsions sont la seule chose qu'ils sachent bien fonctionner. C'est pourquoi vous ne voulez pas que les distorsions soient autre chose que faibles. Une fois que la confiance sur la maîtrise des distorsions a été acquise, il existe une certaine astuce pour pouvoir créer un paysage de rêve stable. N'oubliez pas que vous devez être capable de penser à tout cela à la volée. Vous n'aurez pas le temps d'essayer de tout traiter, de vous en souvenir à partir de zéro. Il suggère donc de répéter le processus plusieurs fois pour qu'il devienne automatique, instinctif. Plutôt que de commencer à vous entourer d'éléments que vous souhaitez être présents dans l'environnement immédiat, il a trouvé plus avantageux de visualiser les extrémités du scénario particulier. Et si vos yeux fonctionnaient dans cet état, cela équivaudrait à créer les objets que vous pouvez voir à l'horizon. L'astuce suivante consiste à déplacer votre attention sur cet horizon, enfin de cet horizon, vers la zone englobant quelques mètres autour de vous, sans laisser le reste s'effondrer, sans laisser l'horizon se dissiper. C'est là que le niveau de l'espace vide, pardon, de l'espace vide dans lequel vous vous trouvez entre en jeu. Si vous y êtes trop profondément, près des profondeurs du sous-sol, vous rencontrerez des distorsions dans vos visualisations qui les attaqueront et finiront par effondrer l'environnement autour de vous, vous réveillant ainsi dans le monde physique. Il faut beaucoup de pratique pour être capable de créer un environnement de rêve comme celui-ci, puis de le peupler avec les objets ou les personnes, les odeurs, etc. Sentir en utilisant un corps physique, comme l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. C'est quelque chose qu'il faisait régulièrement dans sa jeunesse, presque 3 fois par semaine. La règle numéro 1 est qu'une fois créé,
Aucune pensée consciente ne peut être donnée à la structure de cet environnement, car cela entraînerait également son effondrement. Vous devez simplement le créer et savoir qu'il est autour de vous. Savoir. Le vivre. Et y entrer directement et interagir à partir de lui. Si vous vous concentrez sur une chose en particulier pendant la phase de création, vous devez rapidement trouver autre chose et l'utiliser pour ancrer votre paysage de rêve. Et vous continuez à le faire jusqu'à ce qu'il devienne stable. Il est probable que le son d'un ruisseau qui coule dans le décor maintienne justement constamment une note de référence qui entretienne la présence du ruisseau, du coup. Vous pouvez alors manifester un corps de rêve, si vous le souhaitez, ou continuer à fonctionner sans. Une fois stable, le paysage onirique peut interagir avec n'importe quel environnement physique, mais plus profondément. C'est l'art d'appliquer la vitesse à la conscience. Une fois qu'un paysage de rêve a été créé, la conscience peut s'y déplacer simplement en choisissant un point et en se concentrant dessus, un peu comme avec la projection astrale. Le temps et l'espace deviennent des facteurs non pertinents, car on est immédiatement téléporté au point de l'imagination, d'où la raison pour laquelle le contrôle de son imagination est un facteur si important. Tout comme l'enfant doit apprendre à utiliser ses jambes pour marcher dans son environnement physique, il faut aussi apprendre à utiliser les points qui l'entourent pour se déplacer dans son environnement lucide. En ayant une idée à l'avance du type d'environnement de rêve que l'on veut construire et d'un objet qui peut être invoqué et éloigné de la zone la plus proche de vous une fois que votre horizon a été établi, on peut lisser l'ensemble du processus et échapper aux distorsions avant de commencer à se présenter. Il a la réputation de chuter librement dans le vide pendant de longues périodes. Il a la réputation ou il a l'habitude? Bon, il connaît la sensation de chute libre dans le vide pendant de longues périodes, des heures en fait, pendant qu'il décidait quel rêve il voulait créer ou simplement à des fins de relaxation, méditation. Il est également connu, enfin, il pratique également le changement de paysage de rêve aussi facilement qu'on franchit une porte, sautant d'un monde à l'autre, comme s'il entrait dans différentes pièces. Cela peut être fait au travers de portails, lorsque l'on devient compétent dans les pratiques de visualisation. Invocation des portails. On invoque. Il y a de la volonté dans invoquer. Tandis que dans évoquer, il n'y a quasiment que de l'imagination, je dirais. Bon. Une fois que vous êtes certain que votre rêve est stable, c'est-à-dire que vous pouvez vous y déplacer assez facilement sans avoir à trop réfléchir pour le maintenir en place, les portails peuvent être invoqués pour permettre de voyager vers d'autres endroits non physiques. Il ne sait pas vraiment comment il a appris cela, c'était juste quelque chose qu'il savait sans faire d'efforts particuliers lors d'un rêve lucide. Une sorte de souvenir, en quelque sorte. D'autres rêves lucides dont il ne se serait pas rappelé, en quart, hein. Ou de cours suivis dans une école de la nuit lors d'une abduction, ou hein, autre chose. Les portails eux-mêmes sont assez petits et de forme sphérique, de la taille d'une balle de tennis. Ah, en fait, moi j'imaginais beaucoup des portails comme un sas dans un sous-marin ou une station spatiale. Pas besoin. Vous pouvez le faire de la taille d'un orbe, tel qu'on les voit sur les photos. Ou une balle de tennis, bon, c'est plus. Puisqu'on est dans la balle de tennis en pension. Ils sont à la première invocation d'une couleur blanc nacré. Si vous considérez que votre vision droit devant vous est un plan plat à 0 degré, les portails sont décalés au-dessus de votre vision d'un angle d'environ 6 degrés par rapport à vos yeux et à plusieurs mètres de distance. Il existe dans votre périphérique, haut de gamme proche, c'est-à-dire juste à la limite de la zone de mise au point visuelle.
Le moyen de les utiliser est le suivant. Vous les invoquez sous leur forme blanche nacrée, puis vous leur attachez un environnement afin qu'ils deviennent un mini affichage mondial de l'environnement dans lequel vous souhaitez voyager. Une fractale? Bon. Salut. Ils agissent comme un moyen de contenir des coordonnées visuelles très spécifiques d'un emplacement non physique qui ne sera pas soumis aux distorsions de votre environnement immédiat. Une fois qu'ils ont été invoqués et que vos coordonnées visuelles sont apparues à leur surface, vous vous projetez ou vous sautez dedans en contractant votre conscience. Rappelez-vous qu'il a dit que la conscience dans un état non physique peut se contracter ou se dilater. Et vous ressortez alors à l'endroit en question que vous avez visualisé, sur lequel vous avez focalisé votre volonté, votre attention, votre désir. Bien que les portails puissent être utilisés comme moyen de voyager vers ses propres paysages de rêve, il existe d'autres endroits auxquels il a accédé plusieurs fois sans avoir besoin de les créer en utilisant les mêmes portails. Lorsqu'on y accède, c'est comme s'il se matérialisait automatiquement dans son propre espace vide sans aucune entrée de visualisation. Le temps qu'il a passé dans ces endroits particuliers équivaut à beaucoup plus que quelqu'un qui part en vacances régulières. Beaucoup d'entre eux ont leur propre portail dans certains endroits qui accèdent à d'autres parties des autres mondes, de sorte que, ultra-dimensionnellement, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés entre eux. Encore, leur point commun, c'est en tout cas vous, la conscience. Votre conscience. Entre autres. Les portails peuvent permettre un accès bidirectionnel en utilisant la méthode d'expansion de la conscience plutôt que la méthode de contraction. Mais on en parlera dans une prochaine leçon, car nous voici arrivés à la fin de l'article sous lequel il y a zéro commentaire pour l'instant. Donc, voilà. Bien. Je suis plutôt plus tellement maintenant dans le bain avec lequel j'ai commencé la vidéo, mais néanmoins, elle s'arrête au moment où j'y retournais. Tant pis. Donc, pourquoi est-ce que je remonte? Eh bien, parce qu'il y a l'image d'illustration qui comporte la bulle en question. Bon, assez grosse celle-ci. Non? Oui, c'est presque d'ailleurs dans l'idée de tunnel lumière, là, presque. Enfin, imaginez-la plus sphérique. Permettant de voir là, voilà, en plus petit, l'endroit où vous allez arriver. J'espère que vous dormez bien avec toutes ces histoires à dormir presque debout. Je vous souhaite de beaux rêves et à très bientôt pour la suite. Donc, salut.